J'ai présenté le travail surtout de Luc Jean-Jean, qui est ophtalmo à CHU de Nîmes. C'est complémentaire de ce qui vient d'être dit, et je crois que le choix devra être fait à l'avenir entre un casque qui se porte toute la journée et qui vous permette de faire ce qu'on fait maintenant depuis 20 ans avec un smartphone tout le temps. Et l'autre choix, c'est d'avoir un casque plutôt poste de travail, c'est-à-dire qu'on va porter pas de manière continue, une heure d'affilée, peut-être plus, et qui nous permettra d'avoir certaines interactions, certaines activités, mais pas tout le temps. La tolérance d'un casque toute la journée va poser des problèmes, donc c'est-à-dire que si c'est déporté, c'est intéressant. Donc je pense que c'est deux choses différentes. Donc moi je vais essayer de parler d'un casque qui a une particularité, qui est un casque de rééducation aussi, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas uniquement de proposer de la réalité virtuelle et de la communication, mais c'est aussi de faire des séances de rééducation à des personnes qui ont des troubles de l'oculomotricité, ce qui peut arriver chez les 10, c'est-à-dire ne pas pouvoir bien contrôler les mouvements de tous les yeux, ou de voir légèrement en double, ou d'avoir un champ visuel déporté, et ça peut être utilisé sur d'autres personnes que les Loctin syndrome. Donc c'est pour ça que ça intéresse le service d'ophtalmologie du CHU, c'est d'utiliser ce casque avec d'autres personnes, des scléroses en plaques ou d'autres pathologies, et en même temps, quand on a ce casque, de pouvoir entrer en relation par internet avec d'autres personnes et pouvoir s'échapper un peu, visiter et voyager. Donc j'ai dit l'essentiel de la présentation. Ah, c'est joli comme... Donc c'est un casque qui a été monté par collaboration avec une petite start-up qui s'appelle 3Prime, et c'est le principe, c'est Utopia. Ce n'est pas un casque qui permet de voir à travers facilement. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas le porter toute la journée sur soi. Je crois qu'on peut voir l'environnement par projection sur l'écran, on va appeler ça écran, de ce qui se passe. C'est-à-dire que pour savoir si une personne rentre, voilà, on n'est pas enfermé dans une salle de cinéma, mais ce n'est pas quelque chose qui permette par exemple, de se déplacer dans son fauteuil et de voir ce qui se passe autour. Les images, comme tous les autres systèmes, sont projetées sur l'écran, et le mouvement des yeux est repéré par un système de eye tracking. Ça permet de régler, ce système de eye tracking permet de régler le repérage du mouvement des yeux et de l'axe optique en fonction des divergences entre les axes optiques des yeux, ce qui peut-être, je ne sais pas ce que va nous dire M. Trottin, peut-être poser des problèmes à d'autres systèmes de eye tracking. Il y a aussi des personnes qui ont des nystagmus, des battements des yeux comme ça. Donc ce casque est fait pour corriger ce genre de troubles, donc qui s'adapte aux troubles oculomoteurs de certaines personnes.
Donc, comme tout autre casque de réalité virtuelle, ça permet de voyager, d'aller dans Google Maps, visiter des lieux où on a voyagé dans le passé, pardon, où on veut aller, et de méditer. Ce qui est aussi à relier avec ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet de faire de la méditation, de voir de l'hypnose. Et c'est pas ce modèle-là, mais il y a d'autres casques qui permettent de faire de l'hypnose virtuelle. Bon, le réglage des déplacements dans l'environnement, c'est assez simple. Hein. Si on regarde vers le bas, on recule, on avance, droite, on regarde à droite, etc. Ça, c'est un exemple. J'espère que, voilà, c'est un peu sommaire, mais voilà, vous voyez les mouvements à droite des yeux, et en fonction de la direction du regard, on explore l'environnement, mais on explore l'environnement externe, virtuel. Donc on est dans une pièce qui n'est pas forcément la sienne, donc pour arrêter, peut-être que tout simplement, voilà. On peut jouer. Ça, c'est intéressant aussi, comme tout casque, jouer seul et jouer avec d'autres personnes à distance. Et il y a l'aspect, ce que je vous disais tout à l'heure, médical, rééducatif. Ça peut être tout simplement faire de la rééducation en faisant jouer la personne, donc d'une pierre deux coups. C'est ce qu'on appelle, avec tous ces termes anglais, serious games. Et ça permet ensuite au rééducateur, à l'orthoptiste, au neuro-ophtalmologue, d'analyser les résultats des performances au jeu. Donc c'est pas de la séance de rééducation. On n'est pas obligé de sortir de chez soi pour rencontrer, pour travailler avec un orthoptiste ou même avec un ergothérapeute ou un orthophoniste ou un neuropsy qui peut analyser les résultats. On n'est pas forcément orthoptiste pour tout analyser dans ce genre d'exercice. Je pense qu'en collaborant avec des orthoptistes ou des ophtalmos, une orthophoniste, une neuropsy peut-être utiliser ces résultats qui peuvent s'appliquer à d'autres pathologies que uniquement les troubles oculomoteurs, c'est-à-dire la motricité des yeux. Ça peut être travailler l'exploration du champ, c'est-à-dire des hémineuxies, travailler des négligences, des héminégligences. Donc ça peut intéresser des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes. Donc il y a une grande structure de rééducation de la vision à Nîmes, c'est pour ça que ça peut intéresser nos équipes, qui s'appelle l'ARAMAV, qui est l'Institut de rééducation des troubles de la basse vision. Donc c'est pas que c'est tous ceux qui voient moins bien. Voilà, ça apprend à utiliser la canne blanche électronique aux aveugles, mais ça apprend aussi à mieux voir à ceux qui voient pas bien. Et ils s'intéressent donc, heureusement pour nous, aussi aux cérébro-lésés qui ne voient pas bien, mais pas par un manque d'efficacité de la rétine, mais par un mauvais contrôle de l'organe effecteur. Donc on en profite pour remercier encore les différentes personnes qui ont répondu au questionnaire. Alors, je remercie pour ce questionnaire et je remercie aussi pour Alice parce que vous êtes inondé depuis 20 ans de questionnaires auxquels on vous demande régulièrement de répondre. Chaque fois on vous pose les mêmes questions, depuis combien de temps vous êtes lisse, etc. Et vous bougez un bras, pas un bras, les yeux. Mais c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on peut avancer et on peut essayer d'adapter nos traitements, nos outils à vos déficiences et à vos souhaits surtout. Donc les réponses ont été classées en quatre domaines, loisirs, communication, réseaux sociaux et domotique. Et on a demandé si vous pouviez interagir, quels seraient les domaines qui vous intéressent. Et on se rend compte que le thème loisirs, étonnamment, est priorisé par 42 répondants, avec un intérêt majeur pour tout ce qui est virtuel. Puis le thème communiquer, ce qui est logique, c'est communiquer comme les personnes valides via SMS et mail. Et en troisième, la domotique, pouvoir un minimum interagir avec l'environnement. Et visiblement, les réseaux sociaux, hein, pas SMS, Internet, mais aller sur Internet, mais le réseau social est délaissé. On interagit avec ses amis plutôt qu'avec des inconnus. En conclusion,
C'est un outil qui nécessite d'être validé. L'appareil n'existe pas encore, c'est-à-dire qu'on attend des financements pour fabriquer le premier prototype. On l'a eu, donc le financement pour le premier prototype va nous permettre de le fabriquer. Et ensuite, avec des lock-in volontaires, soit autour de Nîmes, soit peut-être si on a un autre financement, on pourra l'utiliser sur Paris. On va essayer et tester ce genre de choses dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que la personne me supporte une heure, deux heures? Et c'est critique, est-ce que ça gratte pas, etc. Oui, ça c'est pour faire la pub de notre équipe. Il y a le CHU, il y a l'école des mines, il y a l'école informatique et tout le tralala. Voilà, on est les meilleurs. Alors, il ne vous a pas échappé que dans les intitulés, il y avait, dans les deux intitulés d'intervention, il y avait deux fois le mot projet. Et que la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. Et quand on parle de projet, surtout qu'on communique, ben on crée une situation d'attente. Surtout qu'elle est reliée par Internet et qu'il y a aussi des vidéos qui circulent sur le projet Cher AI. Donc, je ne sais pas si M. Trottin est encore parmi nous. C'est pour savoir, mais est-ce que peut-on raisonnablement espérer, d'ici quelques temps, à l'occasion d'un futur colloque, de reparler de ces thèmes, voire même à M. Pola, mais côté stand, côté démonstration, expérimentation? Alors, côté stand, si c'est démonstration au congrès, je vais m'avancer, mais c'est notre objectif, c'est le prochain congrès, c'est 2 ans, mais c'est dans l'année d'avoir le premier prototype et le tester. Si c'est sur Nîmes, ben, ça sous-entend de le tester à l'ARAMAV, qui est la structure de rééducation sur Nîmes, et si on a 1 ou 2 ou 3 lock-in qui viendraient, ça serait testé initialement dans un cadre d'hôpital de jour, c'est-à-dire les personnes viennent, comme si elles venaient pour une séance de rééducation avec ergothérapeute et orthoptiste. Ça ne serait pas au cabinet libéral de l'orthoptiste et ça ne serait pas encore au domicile en utilisation personnelle. Si on a un deuxième financement, on peut envisager la masse de Boulogne et effectivement le tester peut-être d'un point de vue hors soins ici à un congrès dans 2 ans. Donc c'est vrai que c'est pas de suite, mais par contre voilà, là normalement on peut produire, on peut sortir le... C'est 30 000 euros pour sortir le casque. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent bien financer 30 000 euros, c'est un casque, c'est pour 30 000 euros. C'est pas très cher, d'où l'avantage peut-être d'avoir un partenariat avec des boîtes. Je pense que HoloLens sera moins cher. Ça. Un casque vendu par Microsoft, ça ne coûtera pas 30 000 euros.